monde, c'est Squeezie. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de pop avec un tout nouveau décor, comme vous le voyez derrière moi. On s'est amusé à faire ça, du coup je suis très contente de partager ce nouveau décor avec vous. Comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrivent là par hasard, je vais deviner à l'aveugle trois pop que Saran a choisi pour moi. Mais maintenant j'ai une nouvelle difficulté, je vais devoir deviner en 10 questions. Et j'espère que je vais y arriver, parce que du coup ça réduit un petit peu le nombre de questions, parce que j'arrivais à deviner, j'ai deviné plusieurs fois la suite, les trois pop d'affilée, avec beaucoup de questions posées pour certaines pop. Du coup, j'espère que là, je vais y arriver quand même. Voilà une pop! La première pop! Oh, ça découette. Ah non, oui, oh, ça ressemble à Harley Quinn. Est-ce que c'est Harley Quinn? Oui, mais tu dois un peu plus préciser. Oh, je sais, Harley Quinn du dessin animé Batman. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Oui. Tiens, voilà ta boîte. Cool, yes! Elle est trop belle. Bon, une facile pour le début. Ouais. Quand tu te mets bien dans les jambes. Elle est belle, elle est belle. Il faut que je la mette avec les autres. Oh, comment elle est belle. Oh, elle est trop trop belle. De toute façon, c'est Harley Quinn, quoi. Moi, j'aime dans tous les cas. Et vous savez, elle est apparue dans le dessin animé en septembre 92. Et c'est mon mois et année de naissance. Waouh. C'était prédit. Et il te fallait une Harley Quinn dans le costume original. J'en ai une, mais dans son costume original, mais rose. Une exclue. Deuxième pop. Deuxième pop. Nouvelle pop. Je dirais, il faut que je réfléchisse. Alors, je dirais, est-ce que c'est un homme? Oui. Faudrait que j'essaie de deviner le thème, du coup. Est-ce que c'est un film? Oui. Est-ce que c'est une série de films? Oui. Est-ce que c'est Star Trek? Oui. J'ai déjà oublié les personnages de Star Trek, du coup. J'ai oublié ceux qu'on avait, déjà. Je sais qu'on a Spock, on a machin, machin. Est-ce qu'on a Kirk? Oui. Oh, j'ai bousé une question pour rien. Ah, il manque celui qui est mort. Est-ce que c'est celui qui est mort? Oui. Anthony Elkin, le nom de l'acteur. Mais le personnage, c'est le russe. Chekhov là, comment il s'appelle? Chekhov, mais tu as deviné. Ah, j'ai dit Ruskov, ça ressemble. Il est trop mignon. Choupinet, rest in peace. Regardez comme il est mignon avec ses petits cheveux. J'aime beaucoup ce personnage, il est très très chou. C'est trop dommage que l'acteur soit mort. Il avait un accent super mignon et tout. La dernière, je pense, va te poser un peu plus de difficultés. Et okay. C'était le but de te laisser la plus dure pour la fin. Bah, je suis prête. Troisième pop. Ah, c'est une Bubblehead. Est-ce que c'est une Star Wars? Non. Oh, oh. Ça va être dur pour moi parce que c'est du Marvel. Est-ce qu'il est une cape? Oui. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il a un casque? Oui. J'en suis à 3 là. 4. 4 déjà? Oui. Ça passe vite. Est-ce que c'est le méchant? Oui. C'est le gros méchant? C'est une autre question. Est-ce que c'est un gros méchant? Oui, c'est une autre. Bah, c'était quoi la question? Je sais pas quoi répondre. Choisis ta question parce que tes questions sont pas faciles. Tu m'as dit est-ce que c'est un méchant? Oui. Est-ce que c'est un méchant extraterrestre? Non. Il y a une espèce de logo là. Est-ce que je l'ai vu dans un film? Oui. Attends, faut que je me souvienne des méchants dans les films. Oh, est-ce que c'est dans les Thor? Non. Est-ce que c'est dans Doctor Strange? Non! Ah, non, mais j'ai éliminé, donc c'est forcément dans les Avengers. Je sais plus à quoi ressemblent les méchants dans Avengers. Est-ce que c'est dans les Avengers? Non. Oh! Tu as une dernière possibilité pour toi de donner un personnage. Donc tu sais que c'est un méchant, il a une cape et un casque, que c'est du Marvel, que ce n'est ni dans Avengers, ni dans Thor, ni dans Doctor Strange, et que c'est un homme. Non. Je t'ai dit que tu l'avais vu. Ah, je l'ai pas. J'abandonne. Ah, c'est Magneto. Ben oui. Serge. Eh ben, je n'y étais absolument pas. Tu as oublié les X-Men. J'ai complètement oublié les X-Men. Ah, il est cool! Il est super beau! En même temps, Magneto, je le vois pas avec une cape. Mais pourtant, il en a une, exact. J'aime bien ce personnage, effectivement. J'aime bien les X-Men. Voilà. C'est les premiers Marvel que j'ai vus. Le voici! Ouais, et les couleurs, elles sont trop belles! Bah oui. Il ressort trop bien, du coup, il va faire bien. C'est des couleurs comics, yeah. Il est intelligent, Magneto. Et en plus, il a une acolyte qui s'appelle Mystique et qui est trop belle. Je me suis bien défendue, surtout pour les deux premières. On devrait faire que je gagne les questions qui me restent. Des autres pop. Non, bah non, c'est trop facile. Ah si ! Non, bah non, bien sûr que non. Oh. Laquelle je préfère ? Eh ben, je pense que c'est facile à deviner. Ah bah oui, c'était évident. C'est Harley Quinn, et que Harley Quinn est juste magnifique. Toutes les pop Harley Quinn sont belles, mais surtout celle-là, parce qu'en fait, je trouve que le corps, il est super bien travaillé, comparé aux autres que j'ai. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires quelle pop vous avez préférée. Et me dire si le système de 10 questions vous plaît, si vous trouvez que c'est trop ou pas assez. C'est tout pour aujourd'hui. On se laisse là-dessus, et on se dit à bientôt.